touch your lips. Take a chance and face the wind. An open road and a road that's hit. Brand new life around the bend. There were times I lost a dream or two. Found a trail. At the end was you. 1744. Ah, vous êtes là. Bonjour. Alors aujourd'hui, une question qui nous vient de la banlieue parisienne, puisque Rebecca Johnson James nous écrit la lettre suivante. Cher 3615 Muay Thai, lorsque je fais de la boxe avec mon masque de l'homme araignée en me filmant sur YouTube, chacun sa sexualité, personne ne juge, j'ai des crampes dans les bras et je me rends compte que mon placement n'est pas forcément idyllique. Comment remédier à ça? Eh bien, chère Rebecca, aujourd'hui, tu vas apprendre tous les secrets de la garde T-Rex. Alors, la garde T-Rex, c'est la garde qui nous fait penser au joyeux dinosaure du même nom. Voilà, on a les petits bras du T-Rex. Voilà, on fait les petits bras du T-Rex. On imite le dinosaure. Voilà, en plus, ça nous permet d'avoir un bon ancrage dans les jambes, hein, puisqu'on est, on est comme ça, on est bien vissé, hein, quand on imagine qu'on a le corps du tyrannosaure, voilà. Et alors, le truc, c'est qu'on a ces petits bras, là, voilà. Et alors déjà, en ayant ces petits bras, on va se rendre compte qu'on est un peu calé ici, là. Ce qui va être très bien, parce que ça va nous permettre de nous protéger des middle kicks ou des attaques sur les côtes, hein, parce que quand on est comme ça, ici, ça vient vite, hein. Un middle kick, ça part très très vite, hein. On est là, ici, boum boum, il y a des enchaînements, on se couche, bam, hop, c'est, ça arrive, ça, ça claque tout de suite, et ça fait mal. Donc, ça décale, ça peut casser une côte dans le pire des cas, mais de toute façon ça nous bouscule et ça permet à l'autre d'enchaîner, donc on n'a pas envie de ça. Quand on l'a ici, qu'on le prend là, déjà on est fort, on n'a pas le souffle coupé, on n'a pas les côtes cassées, donc on est bon, on est bien protégé, et surtout l'autre n'a pas l'idée de nous taper. Quand on est là, ça t'est marqué ici, frappe-moi, frappe-moi, ici, là c'est plus cool. On est comme ça, et on peut se protéger aussi comme ça, parce qu'évidemment quand on prend un high kick ou un coup de coude en pleine poire, juste mettre son petit gant comme ça, ça va pas être bon, hein. Donc en fait, on se recoiffe comme ça, là, à la fin de vie. Donc voilà, on se tient bien derrière du crâne comme ça à la fin. Donc ça donne tac, tac, voilà, et ça permet d'encaisser le choc. Il faut bien avoir ici aucun espace entre sa tête et le bras pour éviter de se prendre en fait le choc comme ça, hein. Donc on est comme ça. Donc là, évidemment, si on est comme ça, le temps de faire ça, bon là, ça passe, on a une fenêtre. Quand on est là, voilà, ça passe très très bien. Donc ces petits bras comme ça nous permettent de voir que pour envoyer la sauce, là il va falloir utiliser son corps. Voilà, donc on va devoir pousser avec le corps, un petit peu comme si on éjectait comme ça le bras avec son corps. Boum, voilà. Et les épaules basses, on va pouvoir enchaîner. On va enchaîner en tapant sur la ligne médiane, c'est-à-dire celle du nez. Déjà parce que ça nous permet de nous protéger. Quand on est comme ça, on est protégé soi-même d'un coup, quoi. Donc voilà, donc ça, hop. Et surtout, ça nous permet de gagner de la distance, hein, c'est le plus court chemin pour pénétrer l'autre avec notre frappe. La question est simple, hein, c'est-à-dire que si je suis comme ça, hein, souvent les débutants vont boxer comme ça. Voilà, alors déjà ici on a une fenêtre, hein, qui est ouverte, hein, donc on va se prendre des coups. Donc quand on est comme ça, c'est plus compliqué, hein, de nous frapper, hein, donc voilà. Et là ici, j'ai les bras courts quand je frappe comme ça. Quand je frappe sur la ligne médiane, boum, je vais toucher avec... Là, ici, voilà, hein. Donc là, je tends au maximum mon bras, j'ai besoin de tendre mes doigts pour toucher le sac. Ici, voilà, hein. Hop, je gagne un petit peu de distance, et c'est cette distance-là qui va être intéressante à gagner. Donc là, quand je suis ici, donc j'envoie, voilà, bam, avec les bras bien souples. Ma main se contractera pardon, automatiquement quand je frappe, hein, ça, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Donc on est là, boum, voilà, boum, boum, voilà. Et le truc, c'est que si j'envoie en direct, je peux aussi envoyer en crochet. Je peux envoyer en uppercut, en partant de la même garde. Je peux envoyer en coup de coude, je peux envoyer en overhand. Je peux envoyer crochet bas, uppercut bas, tout ce que je veux. Le tout partant de la même garde. Alors que quand je suis comme ça, et que je vais taper comme ça, le problème, c'est que si je veux mettre un coup de coude, ça va se voir. J'ai multiples ouvertures. Quand je veux mettre un crochet, ça va se voir. Alors que je suis ici, hop là, hop là, hop là. Hop là, hop là, hop là, je suis là, rien n'est visible. Voilà, je peux aussi frapper là, évidemment, ça peut se faire en enchaînement, il n'y a aucun souci, et je reviens de façon très souple. Si je suis comme ça, ça donne ça, là je suis tout le temps ouvert, donc on n'a pas envie de ça. Donc on est comme ça, et on travaille
Voilà, hop, dès qu'on sent qu'on est raide des épaules, on se replace de façon très souple, on casse les mains comme ça, ça va permettre de tout détendre, et on repart, boum, 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 voilà, donc on bosse ça, et à la semaine prochaine, pousse.